Soutenu et initié par l'ambassade des États-Unis, le projet MoLab, qui veut dire laboratoire mobile, est un grand bus qui est designé, équipé par des inventeurs togolais. À l'intérieur du MoLab, vous pouvez trouver des ordinateurs connectés à Internet. Il y a une imprimante 3D. Nous avons des kits d'expérience physique, chimique, biologique et en mathématiques. Nous avons également des puzzles ou des jeux qui développent la créativité et l'imagination des enfants. Ça les amène à pouvoir réfléchir et solutionner des problèmes. MoLab. 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 L'extérieur du MoLab est designé de façon à attirer les enfants vers la science. En haut du MoLab, nous avons des panneaux solaires pour rendre le projet autonome. Parce que l'objectif du MoLab, c'est d'amener la science, promouvoir la science, la technologie, la culture dans les écoles. Parce qu'il y a manque d'équipement ou il y a manque de matériel. Donc le MoLab veut aller vers ces écoles-là pour pouvoir permettre à ces enfants de toucher du doigt ce qu'ils voient en classe, de faire la pratique de la théorie qu'ils reçoivent de leur professeur qui essaie de leur donner le meilleur d'eux-mêmes, malgré le fait qu'ils n'ont pas de laboratoire, qu'ils n'ont pas de projet scientifique. Tout établissement peut envoyer une demande soit à l'ambassade des États-Unis ou directement au MoLab pour que le MoLab vienne faire des activités avec les élèves de leur établissement. Voilà de façon un peu ramassée le projet MoLab. Longue vie à MoLab. Je suis très contente de MoLab et ici aujourd'hui. Nous ne savons comment remercier MoLab. Merci MoLab. À remercier MoLab. Thank you so much to MoLab. Je remercie sincèrement l'équipe MoLab. Merci MoLab.